Bon, les amis, nous sommes le lendemain. Ça va, Ricky? Ouais. Toujours en train de faire les foufous. Donc ça y est, je vous montre de plein jour. Voilà, les vitres, on voit quand même mieux. Et puis le rétro, du coup, j'ai pu récupérer la glace de la 106. Je l'ai un peu fendue, malheureusement. Je l'ai collée par-dessus l'autre. Ouais, je pense que ça devrait le faire. On verra bien au contrôle technique. On verra s'il me laisse passer avec les vitres comme ça ou pas. Je pense pas, on verra. Au pire des cas, j'aurai un mois après pour faire les réparations. Mais bon, pour rouler, c'est quand même beaucoup mieux. Donc bah là, j'ai appelé l'assurance. C'est bon, elle est assurée. Donc je vais dire au revoir à Christian, qui a dormi dans son camping-car. Moi, j'ai dormi chez Régine, dans la chambre d'amis. Et puis voilà. Donc on a bien, bien dormi, on s'est bien reposé avec gros toutou. Et puis voilà, on va prendre la route ensuite. Donc je passe au contrôle technique. Une fois que j'ai le contrôle technique provisoire ou validé, on va voir. Et ben je pourrais voilà, prendre la route et puis rentrer, voilà. Rentrer jusqu'à Poitiers. Donc j'ai quand même pas mal de route, 12 heures. Je vais le faire d'un coup, je pense. Je vais faire une pause, je pense, pour me reposer un petit peu. J'ai mon sac de couchage pour faire peut-être 1 heure de pause, 1 ou 2 heures. On va dormir un petit peu et puis repartir. Mais je vais le faire d'un coup, voilà. Donc il me reste encore à installer. Je me dépêche parce que j'ai rendez-vous contrôle technique. Enfin, j'ai pas rendez-vous, mais je dois la déposer ce matin pour partir au plus tôt. Je vais mettre le matelas Falcor ici. Dans le coffre, j'ai déjà mis mes affaires. Voilà. Donc il me reste plus qu'à dire au revoir aussi à Régine. Et puis à Christian. Hein. On va aller le voir, on va descendre. Et puis voilà. Encore un grand merci. Hein. Franchement, merci, merci. Tu me l'as gardé pendant un petit moment et voilà. Grâce à toi, au moins, elle était en sécurité ici. Bah, ouais, elle a quand même démarré au quart de tour, c'est vrai. 2 ans sans bouger. Voilà. Il se sauve, Ricky. Hé, hey, Falcor, va chercher ton copain. Il est où? Il est où? Ah, il y a un autre chien là-bas en bas. Et la fameuse descente de la mort, où on ne risquait pas de passer avec le CC à Christian. Bah, du coup, il est resté en contrebas, il s'est garé en contrebas sur un parking. Et il a préféré dormir dans son CC, voilà, pour le surveiller. Bon, on va aller voir Christian. On va aller boire Christian, boire le café chez Christian. Je suis pas encore bien réveillé. Et puis après, bah, je vais me mettre en route. Donc ça y est, et bah écoutez, on est descendu avec ma voiture, ça va, les freins ont tenu dans la descente, donc impeccable. Et puis on a retrouvé du coup Christian, on est en train de boire le café. Donc encore merci à toi Christian, bah, de m'avoir emmené. Ouais, bah, je t'en prie, puis bonne route. Bah, bonne route aussi à toi. Bah écoute, moi je reste dans le coin un petit moment là, 4 ouais. 3 semaines, et puis après je rentre. Puis après on se retrouvera. Après, bah, tu seras au sud de l'Espagne. Bah ouais, je vais descendre, normalement je vais descendre en Espagne, ouais. Si tout va bien. Bah sois prudent sur la route, et puis... C'est calmement, quoi. Hein. Ouais. C'est une voiture neuve. Hein. Ouais, bah, je sais, oui. Elle est en rodage. Attention au rodage. Ça marche. Allez, bonne route à toi. Merci, à toi aussi. Bon, au revoir, Régine. Et puis à la prochaine. Hein. Merci encore, Christian. Allez, bah, les amis, c'est parti. Direction le contrôle technique. Je crois qu'on a ramené la pluie dans le Var. Il se met à pleuvoir, là. Bon, c'est pas plus mal, ça va laver un petit peu la voiture. Bon, ça y est, je suis piéton, j'ai déposé la voiture au contrôle technique. Voilà, j'espère qu'ils vont pouvoir me la passer avant midi, parce que là, je l'ai portée, il était déjà 10h, 10h30 même. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir me la passer, parce qu'après, ils ouvrent qu'à 14h. Parce qu'il me l'a pris entre deux, en fait, il avait déjà son planning qui était chargé, donc voilà. Donc là, pour le moment, je suis en train de sortir un petit peu gros toutou. Et puis on va attendre. On va attendre. Puis après, je pense que je vais rentrer dans la salle d'attente parce qu'il flotte. Il pleut du coup. Temps pourri. Mais bon, c'est pas grave. J'espère en tout cas que ça va aller pour la voiture quand même. Que même s'il y a une contre-visite, que je puisse rouler. Mais apparemment, j'ai roulé un peu. Là, ça va. Elle tremblait un peu au frein parce que les freins étaient rouillés. Mais après, bah, ça a été. Donc croisons les doigts, les amis. Croisons les doigts. Bon, bah écoutez, bonne nouvelle. Je suis revenu au contrôle technique. Et je me suis assis en salle d'attente pour attendre, du coup, ce qui pleut quand même pas mal. Et au final, il va pouvoir me le faire tout de suite. Il m'a dit, je vous la prends de suite. Donc, je suis trop content. Il va pouvoir me la faire maintenant. Et puis comme ça, je pourrais prendre la route. Un gros toutou. Ouais, lui, il s'en fiche. Je te parle. Oh.
Apparemment, j'ai regardé un petit peu le banc de mesure des freins. Ça avait l'air d'être ok, j'ai vu dans le verre. 100%. Donc apparemment, elle freine bien. Là, il va regarder un peu en dessous. Voir s'il n'y a pas une rotule ou quoi qui déconne. Bon bah les amis, écoutez, qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est parfait, elle est passée. Et franchement, il n'y a pas grand-chose, hein. Il m'a dit les disques avant qui sont un peu rouillés, bah après elle n'a pas roulé, hein. Les disques arrière un petit peu aussi, un peu de corrosion sur le châssis arrière. Mais sinon, impeccable. Pour les vitres, il m'a dit que c'était pas grave, bon pas trop grave, si elles étaient bien fermées. C'est problématique quand elles sont ouvertes, quand il n'y a pas de vitre, quoi. Donc j'ai bien fait de faire, enfin qu'on a fait ce système avec Christian, là, avec les plexiglas. Bon, non, c'est juste, hein, normalement ça passe pas trop. Mais bon, là, ouais, comme je le connais un petit peu, voilà, il me l'a laissé passer. Mais en tout cas, bah, sinon, sur le reste, impeccable. Donc j'aurais juste à changer ses vitres. Et puis elle sera nickel, cette voiture, j'ai envie de dire. Voilà, bah écoutez, bah, je vais prendre la route maintenant, hein. J'ai à peu près 12 heures. Voilà, je vais arriver vers 1 h du matin, je pense. Parce que je vais faire quelques pauses quand même. Là, il va être midi. Donc, allez, les amis, j'ai envie de dire, c'est parti! Ah oui, il faut que j'aille mettre de l'essence aussi. Ouais, il faut que j'aille mettre le plein. Bon, ça y est, je me suis arrêté du coup à Hyper-U, là, aux Arcs. J'ai mis le plein d'éthanol, voilà, 1 euro le litre. Ça m'a fait 30 euros. Voilà, impeccable. C'est quand même moins cher qu'avec le camping-car, avec le gasoil. Le réservoir est plus petit aussi. Allez, bah cette fois-ci, on prend la route.
Et ben ça y est les amis, ça y est, je suis enfin arrivé. J'en voyais pas la fin. Oh, je peux vous dire, ça fait vraiment du bien de couper le contact. Ça va gros tutou? Oh ouais, ça baille. Bah ouais, on est crevé. Franchement, interminable. Mais je suis bien content parce que pour un moteur qui n'avait pas tourné depuis 2 ans, il a fait quand même 12 heures de route, même 13 heures de route. Quasiment sans s'arrêter. Enfin, on a fait quelques pauses quand même, mais... Ah, je suis crevé. J'en peux plus. J'ai dû m'arrêter, j'ai eu quelques petites péripéties. J'ai perdu le miroir, enfin il était en train de s'arracher, donc je l'ai enlevé. Donc j'ai juste le temps de m'arrêter et de le ranger. Je l'ai posé dans les affaires là. Et puis la fenêtre aussi là qui commençait avec le vent qu'il y avait, parce qu'il y avait beaucoup de vent, commençait à s'ouvrir. Donc je me suis arrêté, j'ai remis du scotch. Mais bon, sinon ça a tenu quand même, parce qu'il y a eu quand même beaucoup beaucoup de vent. Mais le plus long c'était vraiment entre Rodez, alors je sais plus si on dit Rodez ou Rodez, et Brive. C'était vraiment des routes très sinueuses, j'en pouvais plus. Après, ça a été, même si les 3 dernières heures, c'était un petit peu long, mais il n'y avait plus de pluie, parce qu'il y avait beaucoup de pluie aussi, donc c'était un peu galère. Mais après, à la fin, c'était sec, donc ça allait. Bon, les amis, moi je vais retrouver mes appartements, mon petit Yves, mais je suis bien content de Yvette. Hein. Yvette, franchement, t'as assuré. T'as réussi à revenir jusqu'ici.